Bonjour et bienvenue dans La Bonne Adresse. Cette semaine, je me trouve au musée Rodin, et plus précisément dans les jardins du musée Rodin. Nous sommes à l'hôtel de Biron, nous sommes à quelques pas de l'hôtel des Invalides, et c'est Catherine Chevillot, la directrice du musée Rodin, qui va nous faire la visite. A tout de suite. 3 hectares de jardins qui ont été arpentés par les plus illustres locataires de l'hôtel de Biron. Cocteau, Matisse, Isadora Duncan et bien entendu le sculpteur Rodin, dont les 60 œuvres plâtres et bronzes sont à découvrir ou redécouvrir selon les saisons au cœur du 7e arrondissement. Rodin, comme tous les sculpteurs depuis la Renaissance, travaille d'abord essentiellement la terre. Il modèle la terre glaise, mais elle est souvent une étape transitoire. Et le sculpteur fait mouler sa terre et il obtient un plâtre. La particularité de Rodin, c'est qu'il a beaucoup retravaillé ses plâtres. Et avant de découvrir les sculptures qui se déploient dans les grands jardins, il faut commencer par l'œuvre qui accueille les visiteurs dès leur entrée, en lieu et place des anciens garages à calèche de l'hôtel de Biron. Cette œuvre, c'est une commande des Beaux-Arts faite à Auguste Rodin. Nous sommes devant la Porte de l'Enfer, qui est un peu l'œuvre cardinale de Rodin. C'est une porte monumentale qui lui a été commandée en 1880. Et surtout, il a mis quasiment 20 ans à faire aboutir son modèle. C'était un peu l'Arlésienne à Paris, on en parlait toujours, on ne la voyait jamais. Et surtout, elle est devenue comme une espèce de carrière de forme pour Rodin, de carrière de figure. Il y a plus de 200 figures dans cette porte monumentale qui fait 6,50 m de haut. Certaines de ces formes se retrouvent dans les jardins et on les appelle malicieusement les évadées de la Porte des Enfers. Elles sont à retrouver au fil de vos déambulations et prennent alors une autre taille, et c'est le cas par exemple des Trois Ombres. Donc la sculpture qui est ici est un très bon exemple, puisque au-dessus de sa Porte de l'Enfer, Rodin avait placé ce qu'il appelait les Trois Ombres. C'est en fait la même figure répétée trois fois, qui était un peu là comme le signal de l'entrée dans l'enfer. C'est ce qui figure au début de la Divine Comédie de Dante. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Et c'est un peu comme les trois coups d'une grande pièce de théâtre romantique, en fait. Et le héros de ce spectacle, c'est le penseur, qui sera pour certains une métaphore du sculpteur lui-même, qui s'arrête au milieu de son ouvrage pour y réfléchir, et qui sera pour d'autres un symbole de l'humanité tout entière. Derrière moi se trouve peut-être l'œuvre la plus iconique de Rodin, la plus célèbre dans le monde, qui est Le Penseur, que nous avons vu tout à l'heure en petit format dans la Porte de l'Enfer. Et ce que les visiteurs s'étonnent de découvrir ici, c'est que Rodin l'a bien créé d'abord en petite version. Et puis c'est très longtemps après, en 1906, qu'il a été élargi aux dimensions monumentales. Il fait ici plus de 2 mètres. À l'initiative d'un groupe de Parisiens qui voulaient l'ériger devant le Panthéon, le monument à toutes les gloires de la France. Et c'est ce qui s'est passé. Monument à toutes les gloires de la France, donc le sens, c'était un peu que ce penseur représentait Monsieur Tout-le-Monde, finalement, avec lequel chacun pouvait s'identifier. À chacun son interprétation et à chacun sa déambulation dans les jardins. La meilleure façon de découvrir le jardin, je crois, c'est d'abord de choisir un jour où il y a un petit peu de soleil, parce que la sculpture vit vraiment avec la lumière, elle change au cours de la journée. C'est d'y perdre un peu de temps, c'est de se perdre pour découvrir des sculptures aussi qu'on connaît moins, qu'on connaît mal. Et puis, si on est très patient et très discret, on peut aussi voir une population très timide, mais qui sort de temps en temps, qui est la population des lapins. Et Rilke voyait déjà des lapins depuis sa fenêtre lorsqu'il écrivait à Rodin, puisqu'il lui dit « Écoutez, vous devriez venir voir cet endroit merveilleux que j'ai découvert, et de ma fenêtre, je vois des lapins. » Et c'est grâce à Rilke que Rodin séjourna donc dans l'hôtel de Biron à partir de 1908, en louant 4 pièces au rez-de-chaussée pour en faire son atelier. Quelques années plus tard, il occupera tout l'hôtel, et aujourd'hui et depuis plus de 100 ans, l'hôtel et ses jardins sont devenus le musée Rodin.